Hello tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo de partenariat. Donc c'est une vidéo en partenariat avec le site La Demoiselle de Papier. Donc c'est une boutique française qui fait du scrap pour les bullettes, tout ça. Donc en fait elle est tenue par Amélie. Donc c'est une boutique qu'elle a ouverte en 2017 et à l'origine en fait elle était fan de planeurs, tout ça. Mais elle ne trouvait pas en fait les stickers qu'elle souhaitait, donc elle a décidé de les créer. Et du coup elle a ouvert sa petite boutique. Donc du coup sur le site vous avez ses créations, donc vous allez avoir des stickers, des die cuts, beaucoup de choses du coup pour ce qui va être planner. Et il y a également d'autres marques, donc vous avez également la marque Valley of Paper, Margot Création et la nouvelle qui vient d'arriver, c'est les Big Ribbons. Donc du coup j'ai le droit de choisir plusieurs petites choses. Moi j'ai rajouté également une commande à ce partenariat parce que honnêtement sur le site on trouve des petits bijoux. C'est des petites pépites, dessus vous trouvez des die cuts, des tampons, des kits de papier. Donc là je vais vous en montrer également, vous avez du washi, des stickers, enfin vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Donc elle m'a envoyé donc dans le colis, vous avez donc cette petite carte, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos pour que vous ayez ses coordonnées, le site, tout ça, tout ça. Et elle m'a gentiment mis un code promo pour vous. Donc pour 10 euros d'achat sur sa boutique, elle va vous offrir une planche de stickers automnale. Donc c'est un automne chaleureux. Donc le code, je vous le mettrai à l'écran plus en barre d'infos. Donc du coup, bah, c'est très automnal. Moi en ce moment, du coup, c'est la période. Donc je suis à fond dedans. Donc vous allez avoir une petite bannière comme ça. Là, vous avez du coup automne. Vous avez des petites citrouilles. Et le papier est très fin et je trouve ça super intéressant du coup. Ça fait un petit peu épaisseur washi. Et du coup, je trouve ça très intéressant. Et donc, pour aller avec cette petite planche de stickers, j'ai pris des die cuts. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause. Je vais tous les poser sur une feuille blanche. Comme ça, je vais pouvoir vous les montrer correctement. Donc je reviens tout de suite. Donc les voici. Donc vous voyez, il y en a énormément. Et si je ne me trompe pas, parce qu'en fait là j'ai pas le prix à l'unité, parce que j'ai pris deux autres paquets pour le concours. Comme ça vous allez pouvoir les avoir et voilà. Vous rendre compte qu'ils sont juste magnifiques. Donc des couleurs très automnales, vous voyez, il y en a énormément. Et si je ne me trompe pas, le prix à l'unité c'est 1,80€. Donc très très raisonnable pour des die cuts et tout. Ils sont vraiment très sympas. Là vous avez les bannières, vous avez automne ici, juste comme ça avec les lettres. Après vous les avez entourés de citrouilles, de fleurs d'automne, tout ça. Enfin franchement c'est juste superbe. Vous avez plein de petites fleurs. J'espère que vous verrez bien, mais franchement ils sont superbes. L'épaisseur est tout à fait correcte. Donc moi ça me suffit. Les bannières, là, je les trouve vraiment très jolies. Donc, très automnale. C'est ma période. Je pense que c'est la période de beaucoup. Noël arrive, hein, mais bon. Voilà. Je range tout ça et du coup, je vous montre la suite. Et du coup, je reviens quand même sur les stickers. Mais ça va vraiment très très bien avec les die cuts. Hein. Donc, c'est juste parfait. Hop. Ensuite, oui, j'ai encore un petit lot de die cuts de Noël. Donc ça, c'est toujours La Demoiselle de Papier, donc Amélie. Et j'ai craqué pour des petits die cuts de Noël. Donc là, je vais vous les faire comme ça en vidéo parce qu'il y en a moins que dans l'autre paquet. Mais il y en a quand même pas mal. Regardez celui-ci. Un mug boule de neige, bonhomme de neige. Et je les ai trouvés chouettes. Donc je vais vous montrer tout ça. Hop. Hop. Il y en a quand même pas mal en fait. Il y en a pas mal. Donc il y a certains, vous avez en double, je crois. Non, en fait, vous avez plusieurs tailles différentes. Hop. Vous voyez là, vous avez un bonhomme de neige et vous l'avez en plus petit. De toute façon, je vais me rapprocher. Ouais, non, en fait, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, beaucoup. Je pensais pas autant. Donc, comme quoi, donc là, agréablement surprise, il y a vachement de quoi faire. Hop. Voilà. Hop, donc je vais vous les approcher. Regardez-moi ces die cuts. Regardez-moi le petit biscuit là. Vous l'avez du coup encore ici. Vous avez donc les bonhommes de neige. Donc vous avez deux tailles différentes. Pour les tasses là aussi, c'est pareil. Vous avez des sucres d'orge. Franchement, là, le thème Noël, j'aime beaucoup. Ils sont en toute simplicité, en fait. Donc, voilà, il n'y a pas de chichi. Moi, j'aime bien. C'est tout simple. Et parfois, ça sert à rien d'en faire trop. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà pour les die cuts donc, de Noël. Donc, tout ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est donc Amélie qui les fait. Donc, de la boutique La Demoiselle de Papier. Donc comme je vous disais sur ta boutique, donc vous allez trouver d'autres marques. Et donc moi j'ai craqué pour les Big Ribbon et Margot Création. Parce que franchement, c'est juste super joli. Elle m'avait prévenu, elle m'avait dit, attends de faire ta commande parce qu'il y a les Big Ribbon qui arrivent, tu vas voir et tout. Et ben j'ai pas été déçue. Franchement, très contente. Donc, pour les Big Ribbon, j'ai pris des die cuts et des planches de stickers. Donc, on a celle de Noël. Regardez-moi ça. Elle est magnifique, cette planche de stickers. Franchement, vous avez le bonhomme de neige, hein, sa boule de Noël, là. Un petit sapin. Enfin, voilà, quoi. Vous avez la couronne, une petite boule de Noël. Vous allez vous retrouver même encore le petit biscuit. Et vous avez en français Joyeux Noël. Hein, donc ça, c'est cool de, sur les boutiques françaises de retrouver pas forcément du français. Donc ça, c'est bien. J'ai pris des stickers donc sur le thème de l'automne. Regardez-moi comment c'est chou. Les dessins, ils sont trop mignons. Les couleurs, elles sont parfaites. Elles sont vives quand même. Enfin, c'est pas sombre. Et je trouve ça vachement sympa. Vous avez même les bottes de pluie, quoi. Petite feuille d'automne, châtaigne, vous avez des glands. Franchement, j'adore. J'ai pris Halloween. Donc voilà. J'aime beaucoup la façon qu'ils dessinent leurs stickers. Vous avez la pierre tombale ici, ou dans le cercueil. Vous avez le chat noir, la chauve-souris. Je suis super contente. Et une planche que j'ai craquée, c'est celle-ci. Scrap & Co. Donc vous avez la petite desserte, la silhouette, vous avez même les nouveaux drops. On a un petit Insta Mini, on a les pattes d'encre ink, on a la crocodile, enfin on a du washi, on a la Big Shot. Je l'ai juste trouvée superbe cette planche. Après, toujours donc pour les Big Ribbons, donc j'ai pris les die cuts thème bohème. Et les couleurs sont juste magnifiques. Vous avez un tipi. Vous avez une jarre. Oh, il est beau celui-là. Je vous l'ai montré de plus près. Beau, chic. Et vous avez des bannières, ça c'est cool parce que les bannières, vous pouvez tamponner des petits mots dessus. Hop. C'est un attrape-rêve. Deux attrape-rêves. Touc touc. Hop. Donc voilà de plus près. Donc vous voyez des petites bannières comme ça, vous pouvez tamponner même dans la bulle là aussi. Là, ça j'adore. J'aime beaucoup. Là donc vous avez le petit beau chic, la plume, les attrape-rêves. Ça je pense qu'on peut même s'en servir pour Noël, ce celui-ci. Là vous avez un hamster ou une souris, je sais pas trop, mais elle est trop mignonne.
Et les couleurs, j'aime bien, ça fait un peu pastel, ça fait, c'est des couleurs douces, beau au chic. Voilà, vous avez là. Non, j'aime beaucoup. Hop, je range et je vous retrouve pour un autre. Donc du coup, j'en ai profité pour les déballer. Donc c'est des die cuts, donc sur le thème automne. Donc c'est voilà, c'est la même collection, hein, vous voyez. Et les couleurs sont vraiment à tomber. J'aime beaucoup les couleurs, quoi. Je vais vous les approcher. Mais c'est vraiment, vraiment top. Je trouve vraiment très joli. Regardez là, le hibou ou la chouette, un des deux. Le petit renard, là, vous avez l'écureuil de dos. Là, on retrouve la petite bête, le hamster ou la souris. Vous avez même le hérisson. Franchement. Alors ça, je ne sais pas si c'est un café ou quoi, mais pour moi, ce sera un chocolat viennois. Hein, j'aime pas le café, donc voilà. Là, vous avez du coup la petite citrouille. Vous avez les champignons, hein, parce que ça va être l'époque des champignons. Le petit parapluie, bah oui. En plus, là, le parapluie, en ce moment, il est de rigueur. Et je les trouve vraiment très jolis. Hein. Et le grammage pour le papier, il est bien. Il est bien aussi. Donc vraiment, gros coup de cœur pour les Big Ribbons. Honnêtement, je suis contente qu'elle m'ait conseillé d'attendre. Parce que je ne regrette pas du tout. Bah, je vais mettre pause, hein. Temps de ranger et je vous retrouve pour la suite. Donc ensuite j'ai craqué pour des collections de papier. Alors la première que j'ai pris, c'est donc les collections là qui arrivent, c'est que de chez Margot Création. Donc j'ai pris mon jardin fleuri. Donc c'est en format A4. Les papiers font 300 grammes. Donc autant vous dire que c'est quand même un sacré grammage. Donc dans la collection, vous avez dans chaque kit 6 papiers recto verso. Donc vous avez 3 fois le même papier, mais ce qui vous permet du coup, voilà, vous voyez, on a les deux mêmes, mais au moins vous pouvez vous servir des deux côtés. Donc ça c'est bien. Vous avez un papier quand même un grammage de 300 grammes, donc ça je trouve ça juste superbe. Franchement 300 grammes c'est vraiment cool. Et les papiers sont juste magnifiques. Donc on a celui-ci. Donc ça c'est le même. Celui-ci, je trouve très joli avec les esperluettes et puis le petit feuillage là qui finit. Celui-là, j'adore. Donc voilà pourquoi je suis contente de les avoir en double dans le kit. Celui-là aussi, pareil. Hop, je vais les retourner comme ça vous verrez les deux en même temps. Donc ça, c'est le recto et le verso. C'est superbe. Et ensuite, le petit truc en plus. Donc, je vais vous dire les prix. C'était 6,50 € le kit. Donc, en fait, donc vous avez 6 papiers de 300 grammes et dedans, vous allez avoir une page de vellum. Donc, vous allez retrouver le motif papier. Je vais vous le retrouver. Voilà. Donc, vellum et papier. Donc, ça, je trouve que c'est super cool. Et on va avoir également une page de d'acétate. Donc je trouve ça super cool. Donc pareil, ça reprend un motif de votre kit. Donc ça, je trouve ça bien. Donc du coup, vous avez 6 papiers plus une feuille de calque, enfin de vellum, et une feuille d'acétate. Donc moi, je trouve ça top. Je trouve ça top, top, top. Donc avec ce kit-là, je n'ai pas pris de die cuts. Par contre, j'ai pris la collection Tu seras bienvenue chez nous. Donc là, j'ai pris donc les die cuts. Donc on va découvrir tout ça. Celle-ci, c'est la, si je ne me trompe pas, c'est la dernière collection que Margot Création a sortie. Désolée pour le bruit. Hop. Donc, du coup, vous avez ces papiers-là, donc recto-verso, hein, je vous montre les deux en même temps. Donc là, vous avez de la laine. Ça fait très cocooning, ça. Un effet bois, donc très cocooning aussi. Donc sur chaque kit, on sera sur du 300 grammes. Hein. Après, on a celui-ci avec les petites pommes de pin. Et là, vous avez des pommes avec des plantes. Et là, vous avez des branches de sapin. Hop. Là, celui-ci, j'adore ce papier. Avec les chaises qui se balancent, là, les balancelles, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Et de l'autre côté,
vous avez... Oh, ben... Ah, ben, je crois que mon kit a un défaut. Ou alors, c'est moi qui ai... Ben, je sais pas, là, j'ai un doute. Du coup, revenons à nos moutons. Donc, ce papier-ci, et derrière, vous avez celui-ci. Et donc, là... Bah, il me manque... Alors, attendez, je vais regarder. Ouais, donc là, du coup, j'ai que la feuille de vélum. J'ai pas la rhodoïde, donc je pense que ça doit être un défaut du kit, parce que normalement, vous avez toujours une feuille de rhodoïde avec. Donc, du coup, la feuille de calque, c'est celle-ci. Voilà. Non, je l'ai pas. Je regarde bien pour être sûre, mais non, je l'ai pas. Et du coup, j'ai pris, donc je vous disais, les die cuts. Je vais mettre pause pour tous les mettre correctement. Alors, donc voici les die cuts. Alors, j'ai pas pu tout poser. Du coup, je vais le faire en deux fois. Mais regardez-moi ça. Ça fait un esprit très cocooning, coin de cheminée, tout ça. Regardez-moi cette balancelle, elle est juste magnifique. Là, vous avez un macramé ici, juste sublime. Vous avez des petites étiquettes de mots, donc à l'approche de l'automne, tu seras bienvenue chez nous. Juste ce qu'il nous faut, cocooning, nous pose. Vous avez le petit mug ici. Franchement, rien à dire. C'est magnifique. Regardez-moi ce macramé. Un gros coup de cœur, moi, c'est pour cette balancelle-là. Bon, bah voilà, c'est super. Donc, la première partie est faite. J'adore quand tout tombe comme ça. Et donc, du coup, je vais vous montrer donc le reste. Désolée. Vous avez un rocking chair, quoi. J'aime beaucoup, franchement. Vous avez un cactus, pomme de pin, branche de sapin. Si simple, le bonheur. Franchement, j'adore. On retrouve un autre macramé là. Hop, on va essayer de faire ça mieux. Et voilà. Regardez le macramé là, le rocking chair. Le petit cactus, le macramé, hein, encore une fois, je me répète. Là, vous avez une petite plante genre succulente. C'est superbe. Ils sont vraiment très jolis. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Bah, du coup j'en mets sur pause et je vous montre la dernière collection que j'ai pris. Donc voilà, donc là j'ai mis une partie des die cuts. Donc là c'est la collection fier, être fier comme un pan. J'ai oublié de vous dire, mais les die cuts coûtent 4,50€. Vous en avez énormément. Donc c'est en fonction des kits. Vous pouvez en avoir moins, vous pouvez en avoir plus. Et le papier, pardon, c'est 6,50€, donc le kit. Donc là j'ai déjà vous montré la première partie, donc des die cuts. Donc là, voilà, vous avez le mot printemps, mais je pense qu'on peut l'utiliser même à une autre saison. Regardez-moi cette fleur-là. Elle est magnifique. Vous avez plein de papillons. Donc là, je suis juste super contente. Vous avez des plumes de paon, du coup. Ça, c'est magnifique aussi. Franchement, j'adore. C'est fleuri. Il y a des papillons. Vous avez une petite esperluette ici. Vous avez des lianes ici. Enfin, des lianes, des lières. Enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle. Vous avez le mot curiosité, là vous avez jardin botanique, donc voilà, franchement magnifique. Hop, de côté, et là vous avez même des die cuts avec moment de détente, et les couleurs je les trouve très jolies. Le bleu avec le rose, je trouve que ça va très très bien ensemble. Vous avez quand même des grands die cuts, hein. Fasse pas de bêtises, hop. Là vous avez, je crois que c'est le pissenlit, ça, des trucs comme ça qui se, vous savez, vous soufflez dessus puis ça vole. Là vous avez une envolée de papillons. Et hop là, voilà, je vous le montre de plus près. La fleur là, je la trouve très jolie.
Vous voyez des petits tacs comme ça, c'est sympa aussi. Donc là, vous voyez, je vous disais, l'envolé de papillon. J'adore, j'adore, j'adore. Hop. Voilà. Et donc, j'ai pris la collection de papier. Alors, j'ai commencé à le voir tout à l'heure pour voir si j'avais mon rhodoïde. Après, voilà, c'est pas très grave. Je veux dire, un défaut, je vais pas rechigner là-dessus. Un défaut, ça arrive. Et moi, personnellement, ça ne me gêne pas. C'est comme ça. Donc, du coup, papier toujours recto verso. On a toujours du 300 grammes par papier. Hop, regardez-moi ça. C'est juste superbe. Donc, recto verso. Hein. Hop. Là, vous avez un effet bois. Et le papier, il est un peu... je sais pas si vous le verrez, mais un peu glacé. Il n'est pas comme les... Enfin, non, j'ai pas l'impression qu'il soit comme les autres. Ah, peut-être. Je sais pas. C'est peut-être l'effet de la couleur bois qui rend cet effet-là. J'aime beaucoup. Derrière, on a ces magnifiques fleurs. Donc, du coup, hop. Et ensuite, le dernier papier. Donc, on a ces lianes avec des plumes de paon. Et donc, cette fois-ci, en rhodoïde, on va retrouver donc, le papier avec les fleurs comme ceci. Donc ça, ça va être le rhodoïde. Et ensuite, on a les feuilles comme ça de liane. Moi, j'appelle ça des lianes. Hein. Après, j'adore. C'est très joli. Je trouve ça intéressant de mettre différentes matières dans des kits de papier. Il y en a qui vont vous mettre des planches d'étiquettes ou quoi, mais je trouve que bah, d'avoir du rhodoïde et du vellum, je trouve que c'est très intéressant à travailler. Donc du coup, Amélie, je te remercie énormément pour bah, déjà me faire confiance pour ce partenariat. C'est vraiment très gentil à toi. Également, à mes abonnés, je tenais à les remercier infiniment parce que bah, c'est grâce à vous, parce que vous êtes abonné à ma chaîne et que vous regardez mes vidéos, qu'une boutique peut me faire confiance du coup pour présenter leurs produits. Donc merci infiniment à tout le monde, donc Amélie et à tous mes abonnés, merci beaucoup. Du coup, avec tout ce que j'ai reçu là, je vais vous faire des créations, donc je vais sûrement vous faire une carte automnale. Et ensuite, avec les kits de papier, je vais vous faire un album. Donc, il y aura un tuto. Ce sera en plusieurs parties, le tuto, je pense. Je ne sais pas du tout en combien de parties il sera. Petit album, ce papier. Je vais peut-être même mélanger deux collections parce que je trouve que il y a deux collections qui peuvent aller très, très bien ensemble. Donc, voilà. Merci infiniment, Amélie. Donc, la boutique, donc c'est la Demoiselle de Papier. Je vous mettrai donc le code promo. Donc, c'est dès 10 euros d'achat. Vous avez donc la planche... celle-ci de stickers automnale qui vous sera offerte. Faut savoir que la livraison était très rapide. Elle l'a envoyée, il me semble, mardi. Et nous sommes vendredi. Donc très rapide, très bien emballée. C'était dans un carton, je vous le montre, comme ceci, vous savez, hop, des tout plats, là, tout fin. Donc rien n'a été abîmé, tout était parfait. Excusez-moi. Je vous mettrai... en lien également en barre d'infos toutes les coordonnées donc de la boutique, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube et le lien également de la boutique. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !